Salut à tous et à toutes, c'est Max Zoukins. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer tout simplement mon setup 2020. Alors, comme vous allez le voir, j'ai modifié quelques trucs et il y a des trucs qui ne sont pas finis. Il y a encore des choses que je commanderai par la suite, plus tard. Et puis voilà, tout simplement. Donc je vais vous montrer mon setup tout simplement et puis je vais vous expliquer un peu peut-être mes prochains projets pour la suite bien sûr et puis voilà, on se retrouve tout de suite. On va commencer déjà par la déco. Donc comme vous pouvez voir, j'ai mis tout simplement des petites choses un peu farfelues par moment, vous allez le voir. Et d'autres, c'est des trucs normaux. Donc ici, vous avez ceci, c'est ce que j'avais eu à la Winter Geek Festival à Mons. On m'avait passé ce coupon pour justement tel jour. Et j'ai pensé que ça pouvait être une petite déco parce qu'il y a des trucs de circuit et tout le bazar. Vous voyez, ici, c'était un bracelet qu'on m'avait donné pour les toilettes. Oui, les toilettes. Donc, je me suis dit, je ne l'ai pas mis. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas l'accrocher sur mon mur comme guise de, on va dire, de souvenir de la Winter Geek Festival, justement. Donc voilà. Mais là, ils ont appelé ça la Summer Geek sur le bracelet, mais c'était la Winter Geek. Alors, ici, vous avez Minecraft Windows 10. Donc, c'est le code, justement, qui est derrière, qui a été utilisé pour, tout simplement, ma Xbox. Ça, c'est un truc Star Wars. C'est un espèce de carton que j'avais eu avec le pyjama, mais je trouve ça stylé. Il y en a qui vont trouver ça bof quoi, mais voilà, je l'ai quand même accroché. Ça fait de la décoration. Alors ici, il y a le truc Fortnite, voilà, il n'y a rien de spécial, hein, il fait juste écrit Fortnite, c'est pour ça que je l'ai mis, comme j'aime bien Fortnite et que j'y joue encore, peut-être pour le moment rarement, mais voilà, j'y joue encore. Ici, vous allez rigoler, mais c'était le truc où vous devez payer 50 centimes pour aller aux toilettes, ou alors vous avez un pass de journée 1 euro, et je l'avais acheté, et c'était les trucs des toilettes, mais je trouve... Je trouve que c'est une belle petite déco de la Winter Geek Festival. Voilà, il y en a une autre, ça basique, je vous le dis. C'est Steve, Windows 10 aussi. Donc, c'était aussi le code pour le jeu, justement, de la Xbox que j'ai mis comme décoration. Hein, parce que j'aime bien. Ici, c'est rien de basique, c'est le truc du Game Pass que j'ai accroché là pour aussi faire une décoration. Et puis voilà, donc on se retrouve vite pour sur mon bureau. Bon, les petits potes, ici vous voyez mon PC qui est littéralement éteint parce que je l'allume en cas de besoin. Donc quand je dois refaire des recherches ou quand je ne sais pas faire avec mon téléphone, je le fais sur le PC. Voilà, donc mon casque que j'utilise pour le live Twitch. Alors c'est pas un bon casque, enfin un bon casque, c'est un bon casque dans le sens que j'utilise parce que le son il est bien, mais vous inquiétez pas, je compte m'en investir pour un autre. Voilà, celui-là il sera que pour la musique, et tant qu'il va pour le moment je le garde. Voilà, ça c'est ma petite paire d'écouteurs, hein. Ma petite souris aussi qui s'allume quand on allume le PC. Donc voilà, ouais, c'est mon peu, ça sert à rien. Les petits trucs de bonbons, mais ça sert à rien. Alors ici, on passe à l'intéressant. Oui, je suis sur Netflix, genre Rick et Morty. Voilà, je suis à la saison 2, à l'épisode 3. Voilà. Bref. Alors ça, je vais changer parce que c'est pour mettre mon écran, parce que sinon mon écran est trop bas. Donc j'ai pris des blocs de feuilles en attendant pour le poser. Ça, comme je l'ai dit dans ma story Insta, c'est quand je l'ai acheté, j'ai parti à le plastique. Donc je le ferai un jour. Ma petite manette d'Xbox, mon petit couteau. Couteau que j'utilise pour couper le sauciflard. Voilà, oui.
allez dire c'est bizarre, mais vous inquiétez pas, je le nettoie. Je le nettoie. La lame, elle est propre, il n'y a aucun truc. Je l'utilise uniquement pour couper le saucisson. Je l'utilise pas comme arme. Je suis pas un mec comme ça qui utilise un couteau pour. C'est un truc de collection, ça. Donc, de base. Alors, ceci, ça va partir. Donc, pour ceux qui se souviennent, c'est la PlayStation Camera. Ouais, c'est la PlayStation Camera que je vais donner à Furu. Comme ça, lui, quand il fera des lives sur sa chaîne avec la PS4, il aura la PlayStation Camera. Je lui avais dit en message privé que ça allait être pour lui parce que moi, j'ai la Xbox qui est juste ici, que je vais vous montrer dans quelques instants. J'en ai plus besoin, du coup je préfère qu'elle serve, qu'elle prenne de la poussière. Donc comme ce week-end je vais chez lui, je lui donnerai en main propre. Voilà, elle est prête, elle est préparée, je la mettrai dans mes affaires quand je les ferai. Alors ça, c'est mes petites punaises qui m'ont servi tout simplement à remettre ça. Alors c'est pour entourer parce qu'il me manque du mou. Voilà, donc j'ai remis ça comme avant. Et ça, c'est aussi quand je travaillais à Tom & Co. Voilà, j'avais eu ça, c'est un set de table de base, mais je l'ai accroché au mur. Voilà, donc, petit truc. Avec le beau tapis malaisant avec l'alphabet, qui est là depuis que j'habite ici. Enfin, bref, passons. Mon écran, que vous pouvez reconnaître. J'ai l'écran là depuis un bon moment. Voilà, c'est un beau petit écran. Ailleurs, voilà. Donc, on peut brancher un PC. Hein, je vous le dis, on peut brancher tout PC, vraiment tout. Voilà. D'ailleurs, par moment, quand avant j'ai cette merveille, j'utilisais mon PC pour faire les trucs en streaming. Voilà. Mais il faut que je lave l'écran. L'écran, il est sale. Il faut que je le frotte. Et puis voilà. Bref, on va passer au meilleur. Oui, j'ai mis le cadre parce que je savais pas où le mettre. Du coup, je me suis dit, je la mets sur la console. Vous inquiétez pas. Il y a quand même ici le truc d'aération, enfin le ventilateur. Donc, il n'est pas bouché. Hein, vous inquiétez pas, je l'ai mis en fonction. Donc, la petite photo avec ma copine. Pour ceux qui disaient que j'étais plus avec là, ben, c'est faux. Voilà. Donc, sinon, j'aurais pas ce cadre. Donc voilà, je l'ai mis sur la Xbox, voilà la belle petite Xbox qui est légèrement sale, comme vous pouvez le voir, bien sûr, bah ouais là. Donc il faudra que je la frotte également. Ça c'est mes petites punaises, des petites anciennes piles. Voilà, c'est pas totalement fini, hein. Je dois vraiment faire le nécessaire pour la suite. Voilà, tout simplement. Alors en dessous... Là, en dessous, et là, il y a un débarras que je ne montrerai pas parce que c'est le mini bordel. Et puis voilà quoi, que je dois ranger, je dois faire encore plein de trucs qui vont arriver. Bon, je vais vous montrer ce qu'il y a de l'autre côté. Bon, ici, on se retrouve pour derrière moi quand je suis assis face à mon écran. Ici, c'est la carte de Walibi. Voilà, donc ça c'est la carte que j'avais pris. Je l'ai mis en gif de souvenir. Voilà, c'est un petit truc, vous allez dire, mais bon, ça fait de la déco légèrement. Ici, c'est ma petite figurine Fortnite que je n'ai pas ouvert. Vous voyez, il n'est pas ouvert du tout. Je l'ai laissé dans sa boîte telle qu'il est parce que sinon il perd sa valeur. Et j'ai pas envie de l'ouvrir pour qu'il prenne la poussière. Et comme il y a des petits trucs que je devrais frotter, donc je préfère le laisser dans sa boîte. Il est mieux dans sa boîte et je trouve qu'il est juste stylé. Voilà. Ici, c'est un dessin Pikachu. Voilà. Avec un cœur où j'ai écrit ma copine, mais ça c'est basique. Ça tout le monde le fait. Donc, c'est un dessin Pikachu. Ça, c'est mon ancienne coque de mon ancien téléphone. Le J5 2017, maintenant j'ai le A50 avec la photo également de ma copine. Voilà. Et ici, on va passer au meilleur. Voilà. Rick et Morty. Ça, c'est Rick. Winter Geek Festival. La dédicace que Alain et Loa m'a faite à la Winter Geek Festival, donc celui qui fait la voix de Rick dans Rick et Morty.
Voilà, et qui fait aussi la voix dans One Piece, le grand balèze. Je ne sais plus son nom. Bon, en même temps, je ne regarde pas One Piece, donc je ne sais pas vous dire. Bon, ben, ça prend forme tout doucement. Le petit setup prend forme tout doucement et j'en suis un peu fier. Alors, vous inquiétez pas, il y a d'autres choses qui vont arriver, notamment, ben, là déjà. Attendez, je fais une coupure. Donc voilà, excusez-moi, je me suis assis sur mon siège. Voilà. Donc, il y a des choses qui vont arriver. Ici, déjà, il faudra que je vous commande, enfin, que je commande pour moi, c'est un micro-cravate sur Zoom. Pour ceux qui connaissent Zoom, ben voilà, tout le monde connaît Zoom. Donc, je vais me procurer un micro-cravate, comme ça, pour les vlogs extérieurs ou même les vidéos intérieures. Ben, ce sera plus simple pour moi parler et ce sera mieux amplifié. Voilà, donc ce sera d'actualité. Et aussi, je trouverai sans doute des décos. Il faudra que je regarde sur l'application pour des décos de chambre. Des espèces de LED que je pourrais mettre au mur. Enfin, voilà quoi. Bref, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Voilà. Là, c'est mes petits animaux. Mon petit cochon mat et mon petit rat qui est juste là. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo Setup 2020 vous aura plu. Il n'y a rien d'exceptionnel. Il y a déjà beaucoup plus qu'en 2018 et en 2019. Souvenez-vous, dans les vlogs précédents, j'avais vraiment le petit truc tout carré en bois là. Et là, j'ai vraiment l'espèce de table. Enfin, voilà. Bref. Et aussi, je vais aussi plus tard mais changer de chaise parce que ça c'est une vieille chaise de bureau et je vais me prendre une chaise gaming. Voilà. Donc je changerai de chaise également, mais ça ce sera pour plus tard. Une chose à la fois, on ne peut pas tout faire dans la vie. Voilà. Bref, moi je vais me remettre à Rick et Morty et puis je vais voir pour vous live sur Twitch. Voilà, tout simplement. Allez! Bye bye tout le monde, c'était MaxoCast. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et à partager un maximum cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et on se retrouvera tout à l'heure. Soyez actifs Instagram si vous ne me suivez pas sur Instagram. N'hésitez pas, c'est dans la description. Mon Twitch également, ma page Facebook également. Voilà. Bye bye tout le monde, c'était MaxoCast. On a rendez-vous pour une nouvelle vidéo plus tard. Voilà, bye bye.